Alors, tout d'abord, moi je dirais, je parle ici non pas de l'extérieur, comme un sociologue qui se pencherait sur les arts et la culture, ou comme un philosophe qui ferait des réflexions abstraites. Je parlerai ici en tant que non seulement amoureux de la musique, de la poésie, de la littérature, du théâtre, mais aussi comme quelqu'un pour qui non seulement c'est important dans ma vie jusqu'à mon âge avancé, mais qui a été important pour ma formation dans l'adolescence. Car il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle l'adolescence, qui est un âge incertain, mais disons où on n'est plus dans le cocon familial, on n'est pas encore inséré dans la société, dans un métier, et c'est un âge où on cherche ses vérités. Je menais cette recherche d'autant plus intensément personnellement que j'étais fils unique, orphelin de mère à l'âge de 10 ans, et que dans le fond, c'était à travers le cinéma, à travers les romans, tout ça, que je cherchais et que je trouvais quelques-unes de mes vérités importantes, que j'ai trouvées dans la lecture de Crime et Châtiment à 13 ans de Dostoïevski, quelque chose qui m'a foudroyé, qui m'a marqué pour la vie, et notamment pour le sentiment de l'humiliation et de la souffrance humaine. J'ai été marqué à l'âge de 13 ans, quand j'étais salle Gaveau à Paris, où il y avait des places debout qui étaient les moins chères, le concert d'amoureux, aux premières mesures de la 9e symphonie de Beethoven, j'ai eu le sentiment du sublime, je me suis senti transfiguré. Et je pense que tout ce que j'ai appris est fondamental en moi, et là-dessus c'est superposé ma culture philosophique, sociologique, mais ça reste quelque chose. Et je dirais même, il y a une phrase de, je ne sais plus si c'est de Milan Kundera ou de Jorge Zapato, de grands écrivains, qui disent, aujourd'hui où tout est morcelé, tout est séparé dans les sciences, dans les disciplines, le roman, enfin, le grand roman, évidemment, est le seul observatoire où on peut reconsidérer la condition humaine dans sa totalité. Et je dirais que sans qu'il y ait des paroles, la musique, la grande musique, est la chose qui nous donne un plein sentiment d'humanité sans qu'on puisse le traduire exactement. Alors, ça, c'est voilà d'où je parle. Mais maintenant, je veux quand même dire deux mots de la culture. Le mot culture, c'est un caméléon conceptuel dont il faut se méfier. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la culture des gens cultivés, on dirait la culture. Voilà. Ensuite, nous savons que on emploie la culture, c'est un sens ethnographique. C'est l'ensemble des mœurs, des rites d'une population donnée, d'un peuple donné, qui comporte évidemment ses arts, sa musique et son langage. La culture, d'un point de vue anthropologique, c'est ce qui n'est pas inné en nous, ce qu'on doit apprendre, et on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend les gestes du travail, etc. Donc, ce sont trois sens différents et on en voit qui passent d'un à l'autre. Mais ce qui est important, c'est que dans ces trois sens, on retrouve toujours musique, danse, parure, décoration, les tatouages, les bracelets, des choses comme ça. On trouve toujours des communions très intenses à partir de ces éléments. Alors vous me direz bien sûr, oui, mais ce n'est pas strictement esthétique, s'il y a des croyances, des religions, c'est vrai, quand nous regardons les peintures de Giotto. Elles sont liées évidemment à une foi profonde, mais pour nous, modernes, bien que nous respections cette foi, cette peinture est esthétisée, c'est-à-dire nous ne croyons pas à ce que croyait Giotto, mais c'est la beauté de l'œuvre qui nous frappe, c'est l'émotion que nous avons. Alors, je veux tout d'abord
parler de cette émotion que nous ressentons devant de belles œuvres d'art, mais que nous pouvons ressentir aussi au spectacle divers de la nature, devant l'océan, devant une chaîne de montagnes majestueuses, devant un vol d'hirondelle, devant un papillon qui zigzague dans les airs. Sans arrêt, nous avons des choses qui nous frappent, qui nous donnent une certaine émotion. Et bien entendu, par les arts, nous pouvons bien entendu avoir aussi cette émotion, mais nous avons quelque chose qui est cette émotion esthétique. Et cette émotion peut être un simple plaisir, peut être quelque chose d'agréable, mais il peut atteindre une grande intensité, il peut nous bouleverser, il peut nous émouvoir profondément. Et alors, c'est ici qu'apparaît une complexité ou un paradoxe, si vous voulez, de cette esthétique, de cette émotion. C'est une émotion que je dirais qui a une qualité poétique, et je reviendrai sur ce mot. Mais le propre de l'émotion esthétique, c'est que nous pouvons participer psychologiquement, affectivement, intensément, tout en étant détachés. Et l'exemple, évidemment, c'est, nous lisons un roman, nous sommes passionnés, et puis en même temps, nous sommes dans une pièce, enfin dire, nous sommes au théâtre, pareil, et même alors au cinéma, ça va beaucoup plus loin, parce qu'au cinéma, nous sommes pris dans une sorte d'état semi-hypnotique, et nous participons aux aventures des héros auxquels nous identifions, tout ça. Mais en même temps, tout en étant en tremblant, en riant, en souffrant, en étant heureux, nous savons toujours que nous sommes au cinéma. Nous avons une double conscience, une petite veilleuse, et qui ne nous empêche pas de participer. Et c'est ça peut-être un des propres au sein de la culture, de tout ce qui relève de l'esthétique, de ce sentiment. Nous sommes à la fois détachés et en même temps participants. Et ceci peut nous donner deux choses qui, à mon avis, sont très importantes. La première chose, c'est que nous sommes meilleurs au cinéma comme au théâtre quand nous lisons un roman. Nous sommes meilleurs surtout que dans la vie. Pourquoi ? Parce que pour aller au cinéma, vous avez un vagabond qui s'appelle Charlot, le même vagabond dans la ville, vous ne le regardez même pas, vous le méprisez, et là vous sympathisez avec lui. Au cinéma, vous voyez des emprisonnés, des délinquants, des criminels qui sont en prison. Au lieu de les mépriser et d'en avoir horreur, vous souffrez surtout de leur emprisonnement, de leur solitude, de ce qu'ils subissent, soit de leur côté de lui, soit de leur gardien. Vous êtes meilleur parce que vous avez l'empathie, vous voyez la complexité, vous voyez que le parrain de ce film célèbre, qui est un criminel, mais nous savons en même temps qu'il a des sentiments de père, d'époux, d'amant, d'amoureux, et nous voyons la complexité des gens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que une fois que nous quittons la salle du spectacle, nous méprisons à nouveau le vagabond, nous réduisons le criminel au crime qu'il a connu, etc. Et ça pose une question pédagogique très importante, parce que je me dis toujours, comment faire pour consolider ce sentiment qu'on est meilleur, le consolider dans la vie. Et je pense évidemment que c'est assez tard quand on est adulte, mais que justement, vu mon expérience et pas seulement la mienne, si on a une éducation qui permette effectivement à chacun de mieux intégrer le message, la vérité humaine que porte l'œuvre d'art, nous serons peut-être capables de garder ce sentiment. Moi, il y a un certain nombre de choses que j'ai
Moi, quand j'avais 12 ans, j'ai vu le film L'Opéra de Katsu, le film de Bast. Bon, c'est d'après Brecht. Et j'ai eu le sentiment, j'ai découvert la misère humaine. J'ai découvert aussi bien la misère matérielle, la souffrance et l'humiliation des pauvres, des mendiants, que la souffrance, l'humiliation psychologique que l'on sent. J'ai découvert beaucoup de choses dans ces expériences. Donc, il y a une première chose qui est celle-ci, comment ça nous rend meilleur, parce que ça nous permet de comprendre mieux les gens, de mieux voir leur complexité. Mais la deuxième chose, c'est que ça nous permet, des grandes œuvres, de regarder en face notre destin, la tragédie humaine. Vous savez, c'est le poète Eliot qui a dit « Humankind cannot bear too much reality ». I translate in French. L'espèce humaine ne peut pas supporter trop de réalité. Et je ne sais pas qui a dit aux autres au début, mais réalité, reportons la réalité à une date ultérieure, de notre époque, et moi je crois qu'il faut la regarder dès maintenant. Bon. Mais ça veut dire la réalité. Nous voyons effectivement la mort, la douleur, mais nous les voyons, nous pouvons les voir en face, mais sans en être épouvantés, sans nous détourner, parce que La Rochefoucauld a bien dit, le soleil et la mort ne peuvent pas se regarder en face. Mais grâce à la tragédie, nous les regardons, nous connaissons notre destin, et par là même, ça nous donne cette chose qu'Aristote appelait la beauté, ça donne la terreur, et l'autre côté appelait la pitié. Alors, il y a aussi une chose qui est très très intéressante, et grâce à des scientifiques, des neurologues, qui ont étudié le cerveau de l'extérieur, évidemment, comme Antonio Damasio, Jean-Didier Dessin, ils ont découvert que quand un centre cérébral, rationnel, était activé, se trouvait en même temps activé un centre émotionnel. C'est-à-dire que, finalement, même le mathématicien fait la mathématique la plus austère, il a son amour des mathématiques et il est content de faire ses mathématiques. Ça veut dire que, là aussi, il n'y a pas une raison froide, pure et placée, et ça veut dire aussi que l'émotion peut nous aider à connaître. Et justement, comme nous connaissons à travers la poésie, à travers le roman, à travers le cinéma, le théâtre, l'émotion que nous avons joue aussi une fonction cognitive. Il faut dire que, à travers Balzac, à travers Dickens, à travers Zola, à travers Alphonse Daudet, à travers grandement d'autres dans cette période, j'apprenais à connaître le monde, la société, les êtres humains, les rapports, etc., mieux que dans les traités de sociologie. Donc, si vous voulez, voilà toute une série de choses. Bon. Alors, je reviens à cette émotion esthétique que, pour moi, je dirais, a une qualité poétique. Alors, pour bien comprendre ce que je viens de dire, moi, ma conception est que la vie, nos vies, sont partagées, sont bipolarisées. Il y a le pôle de la prose et le pôle de la poésie. La prose, ce sont les activités que nous faisons par obligation, par contrainte, qui nous ennuient, que nous n'aimons pas faire, que nous sommes obligés de faire pour gagner notre vie en la perdant en même temps. Et la poésie de la vie, c'est tout ce qui nous donne communion, joie, jouissance, c'est évidemment l'amour, c'est évidemment l'amitié, c'est vous pouvez l'avoir aussi au cours, excuse-moi Jean-Marie Brault, d'un match de football, nous pouvons l'avoir dans des occasions très différentes. Ce sentiment de la qualité poétique de la vie, c'est un autre. L'esthétique fait partie de la poétique, avec cette particularité dont j'ai parlé,
c'est qu'on est à la fois très participant et en même temps détaché. On est double, si vous voulez. On sait qu'on n'est pas dans, dans les choses. Parfois, évidemment, il y a un débordement de cette conscience esthétique, par exemple. Au cours d'un match de football, vous pensez que l'arbitre a été injuste, et à ce moment-là, vous criez, vous protestez, et vous devenez actif, vous quittez l'état esthétique. Bon. Mais c'est une façon de se qui est extrêmement important. Et la musique, pour moi, joue un rôle très très particulier. Pourquoi ? Parce que, bon, on a dit, c'est le langage de l'âme. C'est... Alors vous me dites, mais l'âme n'existe pas. Mais oui, c'est vrai qu'on, quand on regarde le cerveau, on ne voit ni l'esprit, ni l'âme. Mais dans la conception complexe que je défends, je dirais que l'esprit, c'est ce qui se manifeste, émerge, quand un cerveau humain est dans une société avec un langage, avec des techniques, etc. Et à ce moment-là, une activité spécifique qui fonctionne avec des mots, qu'on appelle l'esprit, émerge de ce cerveau qui est une activité qui fonctionne avec des relations chimico-électriques. Bon, l'esprit, personne ne l'a vu, mais quand nous disons, nous parlons de l'esprit, nous comprenons ce que nous voulons dire. Et l'âme, c'est l'aspect sensible de l'esprit. C'est cet aspect d'affectivité, de sensibilité, qui est si important au niveau humain. Et j'insiste sur cette importance parce que nous sommes dans une civilisation actuelle où on prétend connaître tout ce qui est humain à travers le calcul. Alors, c'est évidemment à travers le PIB, à travers la croissance, à travers les sondages d'opinion, à travers tout ce que là, et bien entendu, tout ceci au service du profit. Mais le calcul ne connaîtra jamais l'émotion, l'amour, la souffrance, etc. Donc, on nous manipule comme si on était des objets comme ça, en oubliant que l'important dans l'humain, c'est notre vie affective. Et cette vie affective, je le répète, elle n'est pas séparée de la vie cognitive, elle est absolument liée. Et donc, je pense que c'est très important que tout ce qui nous donne une plénitude, un sentiment d'intensité, un grand sentiment, est quelque chose qui est nécessaire dans notre vie. Et que justement, on peut aujourd'hui revendiquer l'importance de ceci au moment où la tendance dominante est de considérer que tout ce qui est littérature, musique, art, etc., comme quelque chose de négligeable à réduire, y compris l'histoire, au profit de l'enseignement technique ou scientifique. Il est évident que c'est quelque chose qui, pour moi, relève de la barbarie, parce qu'il relève de l'ignorance totale de la réalité humaine. Donc, vous avez donc cet aspect très important où, évidemment, la musique est écrite en notes, c'est tout ceci, c'est évident, mais aussi il y a une partie qui échappe, c'est-à-dire le moment où le chef d'orchestre interprète, il apporte quelque chose. Et puis surtout, la musique, c'est le mélange d'extrêmement précis de la note et du flou. Où est le flou ? Dans des mots comme andante, allegro, adagio. Là, c'est pas calculé, c'est ça laisse à l'intention, au conducteur de le dire. Et, alors, si vous voulez, l'importance anthropologique de la musique extraordinaire, parce que dès les sociétés les plus anciennes, le tambour, les instruments archaïques, avant, ou encore, sont apparus, et que ceci a donné
était liée à tout ce qui avait d'important, aux fêtes, à la préparation de la chasse, des poissons, etc. Donc, vous avez cette musique très difficile à traduire en mots, mais qui peut vous donner le sentiment du sublime. Et c'est ce qui m'est arrivé souvent. Et alors, il y a aussi cette chose tellement complexe, qui est que la transfiguration de la douleur, de l'expression de la douleur qui ne cesse pas d'être exprimée, mais qui est sublimée. Je prends pour exemple le second mouvement du quintet de Schubert. Et là, Schubert, c'était un homme qui a été tellement malheureux, tellement solitaire, qui a eu des maladies. Là, il a exprimé dans ce deuxième mouvement toute sa tristesse, toute sa douleur. Et il nous transmet ce sentiment. Et en même temps qu'on ressent cette souffrance, on ressent une sorte de joie en même temps qu'il enveloppe. C'est-à-dire la beauté de la musique nous donne un bonheur dans le malheur que nous vivons. Et ceci, alors, est vrai dans tellement d'opéra. Pour moi, l'air, la tante de Madame Butterfly, quand elle attend le retour de Pinkerton, et qu'elle va chanter ce chant en français à la belle sur la mer calmée, ce chant, c'est absolument sublime. Et il y a un autre air qui m'a toujours plu. Pourtant, c'est un opéra assez secondaire, mais d'après Goethe, c'est le Mignon d'Ambroise Thomas. Enfin, il y a l'air de Mignon qui me transporte, c'est « Connais-tu le pays où fleurit l'oranger, le pays des blés d'or et d'eau ?» Avec cette musique qui enveloppe. Donc ça, pour moi, c'est le rêve, c'est la Méditerranée, c'est l'endroit où je voudrais vivre comme Mignon. Et donc, si vous voulez, tant d'émotions, tant de choses capitales pour la vie sont à sauvegarder dans un univers de plus en plus voué à la technique, au profit, à la robotisation de l'humain. Parce que cette robotisation, elle apparaît dans cette notion d'algorithmisation de la vie. Vous savez ce que c'est qu'un algorithme ? C'est le principe mathématique à partir duquel vous pouvez déduire tous les comportements possibles. Vous pouvez tout savoir. Or, l'idée, c'est que, effectivement, aujourd'hui, l'algorithme, le big data, etc., ça montre que l'on peut manipuler des tas de choses, surtout pour le commerce, pour les... Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une machine triviale ? C'est une machine totalement déterministe. Quand vous connaissez ce qu'on appelle des inputs, vous connaissez les outputs. Quand vous connaissez le programme, vous connaissez les résultats. C'est ce que vous faites avec toutes vos machines artificielles. Mais malheureusement, heureusement, nous ne sommes pas toujours des machines triviales. Parfois, apparemment, nous le sommes. On se lève tous les matins à 8h, on prend le métro, on prend le bus, on fait ceci, on fait ça. Mais il y a toujours un moment d'inattendu, d'imprévisible, etc. J'avais un ami qui était un sculpteur et qui s'est présenté à la mairie pour se marier. Et le maire demande à la jeune fille, acceptez-vous de prendre pour époux M. Vacherot ? Elle dit oui. Alors, et vous, monsieur ? Ah, il y attendait. Il avait une marguerite à sa boutonnière. Alors, il a... en disant, oui, non, oui. Il étouffe le dernier pétale, c'était non. Il dit non, je regrette, c'est pas mal. Et vous savez, l'inattendu, c'est toujours c'est important dans la vie. Est-ce que l'arrivée, le prince Sakyamuni, autrement dit Bouddha, c'est un phénomène tout à fait inattendu dans la culture indienne. L'histoire de Jésus et de Paul sont des histoires absolument imprévisibles et inattendues. Mahomet, et puis Karl Marx, enfin toujours
une œuvre d'art. Comment, même si vous avez mis des électrodes dans la tête de Beethoven au moment où il écrivait la symphonie pastorale, est-ce que vous aurez compris ce que c'est la symphonie pastorale? Et c'est-à-dire tout ce qui relève de la création, et je vais le dire, tout ça ne relève pas de la machine triviale. Une société n'est pas une machine triviale. La société européenne du Moyen-Âge, temps moderne, s'est métamorphosée d'une façon tout à fait inattendue si on se situe au Moyen-Âge. Donc, si vous voulez, on est victime d'une conception de l'humain mathématisée contre la quantification élimine la qualité. Et c'est la culture qui nous permet de résister à ça et de lutter contre ça. Alors, maintenant, j'en viens à quelque chose aussi qui est important. Toutes ces œuvres-là qui sont créées, c'est curieux ça. Alors on dit oui, il y a l'inspiration du musicien, il y a l'inspiration du génie. Oui, mais essayons d'aller un peu plus loin. Et là-dessus, je me suis mis à réfléchir sur les peintures de la grotte Chauvet et de Lascaux. Parce que la préhistoire, Cro-Magnon, Homo sapiens, notre espèce, voilà. Et alors, dans des grottes très étroites, sans lumière, qu'ils éclairaient sans doute avec des flambeaux de je ne sais quoi, de résine mort. Ils ont fait, avec un réalisme saisissant, des animaux, des chevaux, des sangliers. Alors, ils n'avaient pas de modèle, puisque, sous les yeux, puisque c'était des petites grottes étroites. Les sangliers, les chevaux, les animaux, ils les connaissaient dans la nature ailleurs. Donc, ils les ont fait de tête, comme on dit. Alors, je dis c'est très alors, une des hypothèses, c'était que c'était des chamans. Pourquoi les chamans? Parce qu'on sait que les chamans, c'est un phénomène assez universel chez nos ancêtres qui étaient des chasseurs, ramasseurs, déjà dans la préhistoire. Les chamans, ce sont des gens inspirés qui se mettent dans l'état de transe, et dans cet état de transe particulière, ils sont capables de découvrir les vertus de certaines plantes, d'opérer des guérisons, etc. Enfin, ils ont des pouvoirs étranges qu'on ne connaît pas bien. Ils s'aident souvent du tambour monotone, le tambour, ou bien d'une boisson, comme la yamska, etc. Alors, bon, je me suis dit, bon, les gens disaient, est-ce que ce sont des artistes ou est-ce que ce sont des chamans? Moi, je dis, mais ce sont des artistes parce que chamans et des chamans parce qu'artistes. L'un et l'autre, parce qu'ils avaient la capacité de reconstituer exactement les animaux par cette sorte d'empathie, d'identification et de mimétisme. Et moi, j'ai vérifié d'une façon très modeste et très bébête cette chose-là sur moi. Parce que quand j'étais jeune, j'adorais faire des caricatures des gens de mon entourage. Et quand je les faisais de tête, c'était très ressemblant. Mais quand je regardais leur visage et que je voulais imiter leur front, je ratais la ressemblance. Autrement dit, je savais qu'il y avait cette qualité que je vivais. D'autre part, j'adorais imiter mon maître, George Friedman, il avait une façon de parler, je l'imitais très bien, mais c'est pas seulement que j'imitais sa voix. C'est que quand j'imitais sa voix, j'étais lui. J'étais à l'intérieur de lui, je pensais comme lui. C'est un peu le problème du comédien qui entre dans la peau d'un personnage et qui devient ce personnage. Alors je dis, mais nous avons cette capacité mimétique étonnante et en fait l'artiste, il est dans un état non pas de la transe convulsive, comme ça du chemin, mais d'une transe qui lui permet de créer. Le peintre, il peut saisir le je ne sais quoi qui fait la personnalité de son modèle, et en même temps, alors, il fait collaborer cette sorte de force inconsciente avec
la conscience, c'est-à-dire qui lui permet de corriger, de nettoyer, d'arranger tout ça. De même, je pense que le créateur musicien, le musicien, il est le poète, il parle l'inspiration, le thème, et puis avec la conscience, il corrige, il arrange le poète aussi. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant, même le poète de, qui part en Alexandre, qui fait épreuve en alexandrin, l'alexandrin n'est pas seulement une contrainte, c'est une stimulation, parce qu'elle oblige à chercher des rimes, et à ce moment-là, elle va tout faire des trouvailles tout à fait inattendues et merveilleuses. Donc, là, l'artiste est une. Alors, il a besoin d'être dans un état un peu second. D'ailleurs, Balzac prenait du café sans arrêt pour se mettre dans un état. Il y a des contemporains comme Malraux ou Roger Vaillant qui prenaient de la cocaïne. Et chacun s'excite. Moi quand j'écrivais dans un château isolé en Italie, mon livre La Méthode, je fumais sans arrêt comme si chaque aspiration de cigarette pouvait me donner un élan, un souffle. Et puis j'arrêtais la cigarette parce que ça me faisait trop fumer. Donc si vous voulez, on est un excitant. On se met dans cet état second. Et l'artiste lui-même est dans cet état poétique. Nous, dans le fond, ces états extraordinaires qui nous font à parfois arriver presque juste à l'extase. Moi, il y a des gens qui peuvent arriver presque jusqu'à l'extase. Ça, c'est une chose très importante dans la vie. Et si vous voulez, je passe à un autre domaine, mais pour vous parler de l'extase, j'ai vécu pas mal d'expériences historiques et j'ai vécu ce qu'on peut appeler des extases de l'histoire. Pour moi, une extase de l'histoire, c'est quand on faisait l'insurrection à Paris et que sont arrivés, qu'on allait presque être asphyxiés et que sont arrivés les chars Leclerc, plateau d'hôtel de ville. Et qu'il y a eu cette libération, on sortait de 4 années d'étouffement. Et il y a eu la fête de libération. J'ai vécu aussi à Lisbonne, les quelques jours. Alors je me dis, ces extases de l'histoire, même je pense au Pandora, ce sont des moments fugitifs, des moments merveilleux qui se dégradent après. Il y a des régressions, il y a des marches arrière, les espoirs qu'on a ne se réalisent pas. Mais au moins, on les a vécues. Et l'important, si vous voulez, c'est pas tellement de croire qu'on va vers des solutions qui vont tout régler. L'humanité est une espèce en marche. Elle suit un chemin qu'elle ne connaît pas. Comme dit le poète Machado, « Caminante no hay camino, camino tras el andar. » Tu fais ton chemin en marchant. Nous sommes, l'humanité, elle est partie de la préhistoire dans une aventure absolument incroyable. On ne sait pas où elle va, si elle va vers la catastrophe ou vers une civilisation meilleure, mais de toute façon, qu'est-ce qui est important dans le chemin? Ce sont les moments, les grands moments. Et ces grands moments, c'est quoi? C'est quand nous pouvons à la fois nous réaliser nous-mêmes, avoir un sentiment de plénitude et où le jeu s'épanouit, mais au sein d'un nous, d'une collectivité. Et c'est pour ça que le nous est très important, parce que s'il n'y a que le jeu tout seul, c'est l'égoïsme. Et si le nous nous étouffe, on est pris dans un système, on n'a plus d'autonomie. Et le jeu qui s'épanouit dans le nous, eh bien ça c'est... Quand on est dans une salle de concert, quand on est dans un salle de théâtre, et où, même dans le cinéma, quand il y a beaucoup d'autres gens, c'est très important de sentir le nous collectif. D'ailleurs, dernièrement, j'ai pu, grâce à Mezzo, je crois, avoir une de ses chaînes de télévision musicale, assister à un concert étonnant. C'était l'orchestre des jeunes Vénézuéliens qui sortaient des bidonvilles et qui avaient été éduqués par Abreu et qui s'étaient formés. Et ils étaient à Berlin, à la Philharmonie, et c'était Simon Rattle, le chef d'orchestre, qui allait diriger la troisième symphonie de Mahler,
le trombone, il était plus petit que son trombone. Il y avait des garçons qui avaient 10 ans, 15 ans, etc. Bref, c'est une pièce assez dure, assez difficile, cette symphonie de Malpractice. Elle a été dirigée par Rappel, impeccablement jouée. Et à la fin, il y a eu un vrai moment d'extase. D'un côté, cette émotion esthétique qui fait partie de la qualité poétique de la vie, et que la qualité poétique de la vie est la chose la plus importante. C'est ce que disait Tergin, poétiquement, l'homme habite la terre. Il oubliait que l'homme l'habite aussi prosaïquement. Enfin, moi j'ai montré cette complexité. Donc, cette partie, nous devons. Et, d'autre part, j'ai voulu montrer qu'il y a quelque chose dont, en général, les scientifiques n'aiment pas parler. Ils n'aiment pas parler de la créativité. Quand, par exemple, ils parlent de l'évolution biologique, ils disent oui, c'est le hasard, c'est les mutations, mais alors on ne voit pas comment on a pu inventer les ailes de papillon, comment les reptiles se sont mis à voler, comment l'intestin est né, comment les dents sont nées, comment le cerveau. La créativité qu'il y a dans la vie est absolument incroyable. Alors ils ont peur, ces scientifiques, du Dieu créateur, mais ce n'est pas le Dieu créateur, c'est comme disait Spinoza. Elle est dans la nature vivante, la créativité, et elle est dans l'humanité. Il y a la créativité artistique, il y a la créativité des inventeurs, des ingénieurs, de ceux qui ont inventé l'avion, la radio, tout ça. Il y a cette créativité. Et donc, les arts, ce sont des sources de créativité humaine. Alors, cela étant dit, il est évident qu'il y a une grande réforme de l'enseignement à pratiquer. Pourquoi ? D'abord, on ne nous enseigne pas ce que c'est la connaissance. On nous donne des connaissances multiples et on ne nous dit jamais que c'est par la connaissance qu'arrivent les erreurs et les illusions. Parce que dès la perception, vous pouvez vous tromper. Vous voyez un accident d'automobile, selon l'émotion, vous pouvez dire c'est un tel qui a fait ça, alors que René, c'est pas. Bon, vous pouvez vous tromper dans l'émotion, vous pouvez avoir des illusions, vous avez des illusions dans les idées. Vous avez, et nous-mêmes, quand nous regardons le passé, on peut dire mais comment les gens du 20e siècle ont été assez bêtes pour être nazis, pour être nationaliens, pour être maoïstes, pour être tout ça. Et nous, on ne se croit pas très intelligent. Parce qu'encore, il y a certains qui croient au néolibéralisme, oubliant que c'est un mythe aussi important, aussi faux que les autres. Mais on oublie toutes les erreurs du passé et on n'en prend nulle part qu'il faut connaître les mécanismes qui provoquent l'erreur et l'illusion, et à commencer par les erreurs et l'illusion du fanatisme qui se multiplie. Donc, il y a enseigner la connaissance de la connaissance. Et à enseigner la compréhension d'autrui. Et qu'est-ce qui peut nous aider mieux à comprendre autrui que les arts, que le théâtre, que le cinéma, que la littérature, que les opéras? Parce que qu'est-ce que c'est que comprendre autrui? C'est comprendre que l'autre, il est à la fois semblable et différent de nous. Il est semblable parce qu'il a les mêmes émotions fondamentales, il est capable de joie, de bonheur, de malheur. Il est différent par ses croyances, par son caractère, par ses rites, etc., par sa culture. Il faut reconnaître ces deux choses, son identité, sa ressemblance. Parce que si nous voulons qu'ils soient comme nous, nous gommons sa différence. Et si nous voyons sa différence, ça devient étranger. Alors donc, je pense que nous devons aussi comprendre la compréhension, on n'en enseigne nulle part. Et qu'est-ce qui peut mieux nous aider? Parce qu'à ce moment-là, on découvre, quand on enseigne la littérature, que la littérature, ce n'est pas seulement le plaisir de lire, d'avoir des aventures, des suspens, etc., etc. Que la littérature, c'est un moyen de connaître le monde. Donnez-vous que la poésie, c'est un moyen de participer à la qualité poétique de la vie, que c'est quelque chose. Moi, je dois dire que dans ma jeunesse, quand j'avais 19, j'étais dans
moi et mon ami Jacques-Francis Poulenc, on lisait Une saison en enfer de Rameau avec exaltation. Ce sont les œuvres qui nous accompagnaient. Quand j'ai eu un chagrin d'amour, je lisais Les Nuits de Musset, où la muse lui dit allez, n'en veux pas, lui en veut pas. Bon, écoutez, tout ça, c'est nécessaire, ça accompagne notre vie. Alors il faut enseigner aussi à vivre dans l'incertitude de ce qu'on n'enseigne pas, parce que c'est pas seulement que l'époque est incertaine, et chacun en descend ne sait pas ce que sera sa vie, s'il sera bien portant, malade, heureux, malheureux, etc. Et on n'enseigne pas ce que c'est qu'être humain. Et si on en enseignait ce qu'est être humain, on comprendrait beaucoup de choses, parce qu'on s'interrogerait pourquoi est-ce que nous aimons tellement regarder le ciel étoilé. Pourquoi nous sommes fascinés par les astres, par le soleil? Pourquoi est-ce que le monde matériel est quelque chose qui, à certains moments, nous envoûte? Pourquoi la vie est quelque chose auquel nous sommes tellement liés, à voir les animaux, et surtout pour moi les oiseaux, que je trouve une pure merveille de la nature? Ça nous enseignerait à une chose que découvre récemment la conscience écologique, mais qui était absente de notre civilisation. Dans notre civilisation, il y avait l'homme qui doit dominer la nature, les animaux c'est des machines, comme disait Descartes, et on pouvait ravager la terre, c'était aucune importance. C'est vrai. Quand on a découvert qu'on dépendait de la vie, et pas seulement que la vie dépendait de nous, on commence à changer, et on sait qu'on fait partie de la vie, tout en étant différent des autres vivants, mais en même temps, sans pas. Donc, si vous voulez, il y a une autre conscience, une autre culture. Et cette culture-là, elle ne peut se faire que par la collaboration des connaissances qui viennent des sciences, et des sciences qu'on appelle humaines, et de la connaissance des arts. Il faut que tout ceci collabore. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que souvent des très grands scientifiques étaient des gens qui était très artiste. Einstein, isonomiste, c'était le violon. Jacques Monod, et lui, il adorait la musique. Et comme il était protestant, il s'est dit, ça me donne trop de plaisir pour que j'en fasse un métier. Je vais devenir biologiste un peu plus en avant. Si vous avez une vision vraiment ouverte, rationnellement ouverte de la réalité humaine, vous comprenez à quel point tout ceci, c'est fait partie de la qualité de la vie. C'est une chose qui est tellement menacée aujourd'hui. Donc, on arrive à cette idée que non seulement nous avons besoin, en vivant poétiquement, d'intégrer cette composante poétique qui est esthétique et que nous pouvons trouver là. Cette chapelle, elle est belle. Moi, j'ai eu plaisir à la regarder. Hein. Bon, c'est pas sublime. J'ai des émotions parfois sublimes aussi devant des grandes œuvres. Mais ça me donne des choses très importantes. Et que la capacité, qu'il n'y a pas un fossé entre l'émotion esthétique que nous avons et la capacité cognitive que nous pouvons avoir. Au contraire. Nous devons les lier, nous devons essayer de mieux comprendre ça. Nous devons d'abord que la musique devienne quelque chose qui irrigue en permanence nos vies. D'ailleurs, dans toutes les sociétés archaïques, le rôle de la musique, de la danse, du chant était permanent dans la vie. Là, maintenant, c'est plus localisé. Mais je pense aussi que nous avons à faire un travail. Alors, nous devons reconnaître tout ça et nous devons donc repenser la culture pour la mettre dans notre éducation. C'est, je pense, quelque chose qui, aujourd'hui, est non seulement une nécessité vitale, est une nécessité de résister
contre le déchaînement des forces anonymisantes et mécanisantes qui déferlent sur nous. Et bien entendu, nous nous défendons. Nous avons des oasis de vie. Nous avons des oasis de vie familiale, quand la famille s'entend, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, nous avons des oasis de vie amicale. Vous avez des oasis de vie fraternelle. Vous avez des oasis de, comme le groupe de Rabbi des Colibris, des oasis de vie, comme ça. Il faut que ces oasis de vie. Si nous n'avions pas ces oasis, nous crèverions, nous serons entièrement robotisés. Et donc, nous devons résister contre quoi? Contre une civilisation de l'hégémonie, du calcul, du profit, de l'anonymat. Nous devons, nous, résister pour une civilisation de l'expérience humaine, de la qualité poétique de la vie, de la solidarité, de la fraternité. Et toutes ces choses-là, vous les trouvez dans la culture, vous donnez dans le sens le plus noble du mot. Déjà Montaigne disait « Tout homme est mon compatriote ». Déjà, il avait ce sentiment humaniste de la fraternité humaine. Et il est sûr que déjà dans tout l'héritage de notre culture, nous avons tous les éléments pour pouvoir faire cette résistance. Mais alors, vous savez résister. Enfin, c'est un peu, quand je, à l'époque où il y avait l'autre résistance, je disais, le nom de la résistance, le nom à l'oppression, le nom à l'oppression, c'est un oui à l'espoir, c'est un oui à la recherche d'une autre vie. Et donc je pense que la résistance que nous devons faire est aussi un oui à la qualité poétique et à la qualité humaine de la vie. Financiers qui du reste ont
ont conduit, je crois, des erreurs comme la fameuse politique d'austérité ou comme l'attitude si grossière à l'égard de la Grèce ou ce manque d'humanité par rapport aux migrants. Tout seul, Angela Merkel, quelque chose qui vient d'être critiqué par Trump d'ailleurs, mais où la France s'est trouvée complètement défaillante. Il n'y a pas eu une tentative d'intégration de ces malheureux fugitifs. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est quelque chose qui reste résiduellement. Il y a le passeport commun, les monnaies communes, ça peut durer. Mais je crois que des forces centrifuges sont très importantes. Regardez la Pologne, les pays baltes, ils ont peur surtout de la Russie. Nous, dans le sud, on est surtout préoccupés par le Moyen-Orient, le problème méditerranéen. Il y a ce qu'on peut appeler des démocraties autoritaires. C'est encore le mot démocratie. Des régimes autoritaires s'installent, qui sont installés à la périphérie, en Russie, en Turquie, à l'intérieur, en Hongrie. Ça commence un peu en Pologne. Et en France, nous savons que le Front National a certaines chances d'emporter la présidentielle. Enfin bref, il y a une régression énorme. En Europe, dans le monde, vous direz, mais dans le monde. Donc, si vous voulez, l'Europe, on peut très bien continuer à profiter de nos passeports européens, de la monnaie commune, d'aller aux offices à Florence, d'aller au festival de Bayreuth, de faire ce, ou surtout de Strasbourg. Enfin, bref, on peut continuer, mais je pense que pour le moment, c'est stérile. L'Europe n'a pas d'élan, disons, dans le sens de la culture. C'est un élément tout à fait suicidaire pour elle. L'amour de la musique fait partie de cette chose, de cette résistance aux forces anonymantes qui tendent à réduire la vie à quelque chose de quasi mécanique. Je pense que partout où il y a des foyers de musique, c'est une résistance à cette conception fondée sur le calcul et sur l'algorithme de la vie. Et c'est une façon de trouver, quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est assez intéressant de penser que les chants accompagnent souvent les résistances. On a eu ce chant des partisans qui était avec quelque chose qui nous aidait, qui nous exaltait. Des poésies aussi. D'ailleurs, c'est très curieux parce que dans les époques où il y a une grande censure, cette censure peut être plus ou moins trompée par la poésie. Et puis il y avait aussi une littérature clandestine. Donc, si vous voulez, je pense que résister, c'est ne pas céder devant une conception de la vie que des forces extrêmement puissantes veulent nous imposer. C'est de trouver le temps de la musique, de la chanson, de l'opéra, de la symphonie, de la sonate. Je pense que c'est ça, c'est ne pas. C'est de continuer, c'est de ne pas abandonner. Quels mécanismes, selon vous, sont à l'œuvre qui font qu'à un moment donné, il y a un décrochage entre la réalité humaine et poétique que nous vivons au quotidien, et heureusement que nous sommes là pour en être des humbles participants, et puis à un moment donné, un décrochage, et comme vous le disiez, cette puissance quelque part annihilante, qui ne devrait pas être, puisque c'est de la puissance publique
au plus haut niveau que l'on attend ce message d'espoir aussi. Je pense que tout d'abord, on constate de plus en plus que ce qu'on appelle la politique est réduite à l'économie. C'est-à-dire que les programmes se font avant tout sur des promesses de croissance, sur des réductions d'impôts, sur toute une série de données chiffrées comme ça. On est la compétitivité, etc. Et dans le fond, plus on insiste dans ce domaine, plus on occulte le reste de la vie humaine, on occulte la culture, mais on occulte pas seulement la culture, on occulte le monde. Regardez, jusqu'à présent, dans tous les débats pour l'élection, les primaires et les autres, tout se situe comme si la France était complètement isolée du reste du monde, comme si on n'était pas dans une sorte de crise de la mondialisation, dans cette situation. Donc, si vous voulez, c'est un monde clos, c'est un monde où il n'y a pas de pensée, et c'est un monde où, quand vous êtes dans la technique et dans l'économie, vous ne voyez pas la culture, sinon comme un pur délassement, comme un quelque chose. Donc, c'est une façon de voir les choses et le monde et l'humanité qui doit changer. Si vous avez une vision plus complexe de la réalité humaine, vous vous rendez compte à ce moment-là que la culture, c'est quelque chose de fondamental. Mais sinon, c'est quelque chose qui est à la remorque et qui est hors de préoccupation. Elle devient uniquement une chose privée. Par exemple, le président de la République va au théâtre voir Michel Drucker, une chose privée. Mais il n'y a pas de pensée là-dessus. C'est-à-dire, ça, moi je crois que ça tient à la dégradation de la pensée politique au cours de ces dernières décennies, qui s'accroît au phénomène de régression sociale dans tous les domaines qui se manifestent. Regardez, au moment où il y a une communauté de destin humain, où il y a des problèmes communs à toute l'humanité, comme la dégradation de la biosphère, comme la multiplication des armes nucléaires. Encore récemment, Poutine et Trump ont dit qu'ils ont relancé leur arsenal nucléaire. Au moment où vous avez le déchaînement de fanatisme de toutes sortes, au moment où la finance contrôle l'économie qui n'est pas régulée et qui va de crise en crise, au lieu d'avoir une conscience justement de ce qu'il y a de commun à l'humanité, les gens se réfugient dans leur conscience particulariste et close, se réfugient contre l'étranger, contre le réfugié, contre l'immigré. Donc, si vous voulez, on est dans une époque régressive dans laquelle on ne peut que chacun, on ne peut que résister par l'esprit et par ses propres moyens. Voilà. Il a fallu, par exemple, tout d'abord, il y a eu la création des maisons de la culture par Malraux, parce que quand il y a eu un écrivain comme Malraux qui a été ministre, et après il y a eu, à mon avis, l'œuvre principale de l'époque Mitterrand, c'est ce qui a été fait sur la culture à l'époque de Jacques Lang, parce que, ne serait-ce que par des subventions, il a perdu les réactions d'un certain nombre de belles œuvres, et pas seulement françaises. Le film de Kurosawa, Ran, n'a pu exister que grâce à l'apport français. Le film d'André Bajda sur Danton, aussi. Enfin, il y a eu une époque où il y a eu de l'aide aux créateurs. Mais cette époque est terminée. Peut-être qu'il en viendra une autre. Mais voilà.